Toi, tu portes un masque. Toi, tu baisses les yeux. Car tu as peur de la vérité. Toi, tu mens. Ta vie est un mensonge. Votre vie à tous est un mensonge. Cette société est un mensonge. Pas étonnant que vous vous rendiez au théâtre. Dans une société mensongère, il est logique de célébrer en commun l'art du mensonge. Je parle de l'injustice qui nous touche à tous ici-bas. Celle dont la causalité peut être démontrée, démontée, contestée, combattue, pour autant qu'on le veuille, pour autant qu'on le puisse. À 8 ans, je ne le pouvais pas. Comme je ne pouvais pas prévoir la nature de mes premiers émois. Jean-Jacques ? Oui ? Garnement, venez ici. Qu'entends-je ? Vous avez poussé votre cousin par terre. Oui ? Venez ici, Garnement. Modifier ma perception des plaisirs charnels avec lesquels j'ai toujours eu un petit peu de mal par la suite. Bien. Demain, tu pourrais aller chez une femme pieuse de mes amis, Madame de Varens. Elle est au bénéfice d'une pension du roi de Sardaigne dans la ville d'Annecy. En échange de cette pension, elle se doit d'accueillir quelques âmes égarées en ton genre pour les aider à recommencer leur vie en conformité avec les saintes écritures de notre mère l'Église. Consens-tu à y aller ? Bien, monsieur le curé, si ces arguments valent les vôtres, j'accepte. Gredin, quel plaisir à voir. Jeanne, le mécréant se convertit. Je vous aime, madame. Maman. Oh, mon petit. Aussi heureux, mais aussi triste. J'avais souillé une amitié pure, j'avais compromis la plus respectable des femmes pour assouvir mon besoin charnel. Cet amour devait rester immaculé. Pourtant, quel bonheur dans tes bras, maman, quel malheur. Bon d'accord, elle n'est pas Théroche, mais laissez-moi vous expliquer une chose. Si, j'ai toujours eu un fait pour les femmes du monde et leurs toilettes soignées, j'ai finalement compris qu'elles seraient davantage source de problèmes que de contentement. Voilà pourquoi j'ai jeté mon dévolu sur la femme de ménage de mon hôtel. Elle est plutôt jeune, aimable, attentionnée, satisfait mes besoins quotidiens et m'écoute d'une oreille attentive lorsque je lui le demande. Je ne dis pas qu'elle comprend tout, mais peu importe. Son manque de jugeote est compensé par son grand cœur et notre absence de passion l'est par la solidité de notre lien. Avec Thérèse, c'est pour la vie. Je le sens. Grâce à toi, Thérèse, je ne serai jamais seul. Et j'ai besoin de cette stabilité pour attaquer mon grand œuvre. Grâce à toi, Thérèse, je sais que chaque fois que je déposerai la plume, il y aura un bon plat chaud ainsi qu'une paire de caleçons propres qui m'attendent. Thérèse. Jean-Jacques. Oui.
T'es sûr que je suis assez bien pour toi? Allez, va me faire un café. Allez. Oui, mon amour. À science et art développé, société pervertie, assurée. Incroyable, quel style, quelle audace, quelle provocation, hein. Ah, il nous bouscule, le Jean-Jacques, n'est-ce pas, madame Dupont? Oh, délicieusement choquant, totalement nouveau, hein. Smart, j'en frissonne, mais quel énergumène, ce Jean-Jacques. Il faut absolument que vous nous le présentiez. Oh, mais c'est ton ami. Tu seras poursuivi partout sur cette terre. Tes ennemis sont nombreux et puissants. Mais tu as semé dans les esprits des graines de géants. Quelle destinée posthume, quelle caution éternelle. On se réfugie dans ta pensée comme dans une citadelle. Contre les affres du monde, la sainteté du pouvoir. Vois chez l'homme cette quête inassouvie de savoir. Rien n'a vraiment changé, mais tu restes vivant. Plus actuel aujourd'hui, à l'âge de 300 ans. Toi pour qui la littérature fut un accident. Toi l'ermite le plus social de tous les temps. Non, non, submergé de toutes parts, persécuté. Je n'ai d'autre choix que de rester terré dans ce jardin. Tu avais raison, mon bon Claude. On peut rester des heures devant une plante. La nature ne ment pas. Si mon contrat social se réalise, alors la nature sera préservée par les hommes devenus sages. L'écologie comme vérification du politique, ça vous parle? Ça a marché? Ouais. Je m'en doutais. Il y a encore du travail.